I woke up to an open door, wrapped up in my lover's arms. I feel it in my weary bones. I'm home, but nothing to Pas de soucis, il va bien. T'as pas trop mal? Non, non, désolé, j'ai super faim. On va te trouver quelque chose à manger, d'accord? Oui, d'accord. Allez, allez. Oh putain, je boufferai un cheval. Bah, je sais pas si on pourra te trouver un cheval, mais... peut-être du muesli? Oh, Burke, je déteste le muesli. C'est avec ça qu'on ouvre la porte de l'infirmerie, il doit y avoir tout ce qu'il faut. J'espère qu'on pourra au moins nettoyer ses blessures. Je vais te chercher à manger. Toi et moi, on va chercher un téléphone fixe. Oh, ouais, y en a pas un dans le bureau de Monsieur H? Si. On vous rejoindra. Ça marche! Je crois que ce qui les a attaqués dans les bois peut... Je sais pas, ça peut suivre leur odeur? Quoi? J'en sais rien, peut-être que ce truc a pris goût au sang et que maintenant il essaie de les traquer. Je crois pas, non. J'ai l'impression que si on reste avec eux, on sera en danger, tu crois pas? Non, je pense vraiment pas que ce qui les a attaqués dans les bois va venir dans le chalet. Ok, ouais. Ouais, t'as sûrement raison. Allez, faut qu'on appelle les secours. Ça fait bizarre de voir cet endroit aussi vide. Tu veux dire que t'es jamais venu ici la nuit pendant la colo? Quoi? Non, toi si? Une ou deux fois, ouais. Tu vas où, là? J'ai cru que quelqu'un m'appelait. J'ai rien entendu. Je crois pas que les blessures de Nick soient si graves que ça. C'est une bonne nouvelle. Ouais. On fait quoi? Faut qu'on demande de l'aide. Qui on peut appeler? Monsieur H? Je connais que le numéro de cette ligne. Ok, alors police secours. Police secours? Qui appelle ça police secours? J'en sais rien. Enfin bref, ouais. Mais comment on... Je demande quoi? La police? Une ambulance? Les flics? Ouais, carrément. En gros, ils vont dire quelle est la raison de votre appel, et je leur réponds... au secours, mon ami a été attaqué par un ours. Ou peut-être autre chose, mais c'est un animal avec des dents. Et on sait pas combien il y en a en ce moment, ou de quoi ils sont capables, donc il est pas impossible qu'ils soient en train de préparer une nouvelle attaque, alors on aurait vraiment besoin de renforts. Ouais, ouais, un truc du style. Ok. Police de North Kill. Qu'est-ce qu'il y a? Mort.
T'as peut-être... raccroché? Comment j'aurais pu raccrocher? J'en sais rien, t'as appuyé avec ta joue et... du coup, ça a raccroché. Tu sais comment marche un téléphone? Bah ouais, heureusement. Un vrai téléphone, pas un portable. Et toi, tu sais comment ça marche? Ok, bon, tu l'as pété. Mais non! Bon, alors ce téléphone marche pas. Personne ne capte, il y a un autre téléphone fixe quelque part dans le camp. Pas exactement, mais... Quoi? Il y a du vieux matos dans le local radio. Là où tu fais les annonces? Non, là où je diffusais mon super son de l'été, ouais, et où je faisais les annonces sur la sono. Bref, il y a des vieux appareils là-bas, je crois qu'on pourrait peut-être bricoler un truc et envoyer un message. Ok, bon. On peut aller voir si on arrive à contacter quelqu'un. Repose ça, Dylan. J'irai le reposer quand on sera revenu et que les secours seront en route. D'accord, mais fais gaffe quand même. T'en fais pas. Ok. C'est sûrement un orage. Quel orage, Ryan? Ben, peut-être que c'est les ours. Les ours. Je peux savoir pourquoi on accuse toujours les ours? Et imaginons juste une minute. Si ces ours qui ont coupé la ligne de téléphone et aussi toutes les lignes électriques, et si ces ours nous attendaient dans le couloir en ce moment même? Pas faux. Merci. On devrait dire à Kathleen qu'on va au local radio. Ils doivent flipper. Ouais, ok, ouais. Allons-y. Bon, on devrait peut-être le laisser, Kathleen. Tu crois vraiment qu'elle en a besoin? Elle en a autant besoin que nous. Elle reste au chalet. Nous, on va dehors. Tu viens juste de dire qu'il y avait peut-être un truc dangereux au chalet. Quand? Là, il y a à peine 20 secondes. Ok, c'est vrai. Mais j'ai dit ça parce que je voulais vraiment le flingue. Donne-lui le flingue, mec, allez. Ah, d'accord. T'as raison. Allez, on a toujours le mien. Et si t'es gentil avec moi, je te laisserai le tenir. Fais pas de promesses que tu comptes pas tenir. J'ai totalement l'intention de la tenir. J'arrive au mauvais moment. Allez, mon vieux. Je... saurais même pas comment m'en servir. Je te fais confiance. Oh, merci beaucoup, Dylan. T'es tellement généreux et sexy. Ouais, t'inquiète, ça me fait plaisir. Thank you.
Oh, bien! Vous revoilà, je suis ravie. Ah! Voyons ça alors. Que faites-vous là? Pourquoi venir si vous n'avez pas trouvé mes cartes? Des vérités y sont cachées. Des vérités qui ne peuvent être révélées que si vous me les apportez. À nouveau, nous nous disons au revoir. Un dernier conseil. N'oubliez pas qui sont vos alliés. N'oubliez pas qui veille sur vous. Coucou, j'ai rien pu te trouver à manger. La cuisine est complètement vide. Oh zut, j'ai oublié mon sac. Je t'ai pris ça. C'était... Merde, je sais même pas ce qui s'est passé, tout était flou. Comment tu te sens ? Ça va, je m'en remettrai. Grâce à toi. Non, non, j'ai juste essayé de t'aider. C'est Kathleen et Ryan qui ont tout fait. T'es avec moi. Ça m'aide. Ok, je crois qu'ils sont partis chercher une radio. Et c'est quoi ce... Ils en ont trouvé un autre dans le bureau de Monsieur H. C'est juste au cas où. Il s'est passé quoi avec les lampes? J'en sais rien. Ça va mieux? Je vais bien. Je crois. Attends, ils vont au local radio? La ligne est coupée. Je crois qu'ils vont essayer d'envoyer un SOS. En attendant, on reste là. Je croyais que Dylan et Ryan étaient déjà sortis. Restez là, je vais voir. On se débrouillera, mais... Sois prudente. Faites gaffe. Thank you.
aucun signe d'eux. Quand tu les trouveras, saigne-les. Et tiens-moi informé, Bobby. Idéal, je sais, mais je... Quoi? Eh ben, c'est juste que... Tu sais, je pensais, au début de l'été, quand on s'est rencontrés, au début de la colo... Mais maintenant que l'été est fini, je me demande si c'est la dernière fois qu'on se verra. Désolé, Nick, qu'est-ce que tu disais? De me mettre à nu, là. Nick, je suis désolée. On peut parler de ça plus tard. Je flippe complètement, là. C'est pas le bon moment. J'ai peut-être mal compris les signaux tout à l'heure, mais... J'ai eu l'impression qu'il allait se passer un truc. Et tu... Voulais qu'il se passe un truc entre nous? T'es conne ou quoi? Hé hey. Désolé. Ce que je veux dire... Bien sûr que je voulais, mais je... Je savais pas si toi aussi. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Tu voulais qu'il se passe un truc? Tu peux me le dire? Ouais, je crois. Tu dis ça parce que je suis blessé. Nick. Mais qu'est-ce qui se passe avec Kathleen? Faut qu'on se cache. Faut qu'on se cache. C'est bon, ça va aller. Oh mon Dieu! Il s'est passé quoi? Merde, il est où le fusil? Il faut qu'on se tire. Non, faut qu'on se cache. Wrapped up in my lover's.